Bienvenue à toi, petit scarabée. Tu es encore sur un stream de The Big Gamowski, comme c'est gentil, merci. Un stream le 167e, à nouveau consacré à du shmup. Du shmup créé pendant les 30 Glorieuses du shmup, c'est-à-dire 10 années. C'est marrant de les appeler les 30 Glorieuses d'ailleurs, putain. Mais bon, ça représente bien ce que c'est. Les 10 années les plus fastes de ce type de jeu. Où on a été abreuvé, mais à l'abus en fait, de jeux de tir avec des petits vaisseaux de l'espace, passe. Et donc, je continue l'exploration pour ma culture personnelle et peut-être la vôtre au passage, pourquoi pas, on peut trouver des petites perles. Parmi les petites perles, il faut toujours se méfier parce qu'il y en a qui puent et forcément, ça peut être désagréable. Mais comme dit si bien le dicton, let's get fucked up and die. Alors, merde, j'ai lancé une deuxième session, mam, alors c'est le drame. Non, ce n'est pas le drame, regarde. Car tu as rattrapé ta capture, car tu as un processeur tout à fait moderne et multitâche. C'est-à-dire un Pentium 4. Non, je rigole. Qui te permet d'afficher ton flux en même temps? Si c'est pas incroyable ça. Oh mon Dieu! De la 3D! J'ai vu de la 3D! Mais ce jeu va nous retourner, dites donc. Alors, apparemment, il s'agit d'un XM Red Unlike. Match Shark. Ok, Match Shark si tu veux. Faut savoir que Match Shark, si c'est pour dire requin marteau quand même, c'est pas très sympa. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai sur l'ému, par contre, qui est super génial, c'est la vitesse d'affichage. Là, on a du bon gros 60 Hz qui pulse. Alors, allez savoir si c'était pas ça la performance de cette programmation. Parce que, point de vue gameplay, on est dans une époque à qui pompe les meilleures idées à qui. Et c'est un petit peu dur de dire, oui, c'est la meilleure copie de jeu, qui était d'ailleurs une copie de. Et qui était lui-même une copie de. Mais il l'avait chopé. À la photocopieuse, c'était dans le bourrage. Et donc, jugeons sur pièce. Mais bon, pour l'instant, moi, je vois surtout qu'il y a un chouette affichage. Vous me direz, vu la définition, ils peuvent. Et là, je ne contrarierai personne. Parce que j'ai un tir appuyé. De toute façon, moi, j'ai pas le temps d'appuyer, donc j'ai pas de tir appuyé. Ok, c'est bon. J'ai tout compris. Oh, le bonus dans l'hélico. Mais que c'est original! Non, il n'y a aucun cynisme. J'étais totalement franc, j'ai été surpris. Qui pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un bonus dans un hélicoptère d'une couleur en plus différente des autres objets? Genre, dans celui-là, c'est pas possible qu'il y en ait. Oh! Mais je suis surprise totale. Et regarde, et qu'il n'y en aurait pas dans celui-là? Oui, mais t'es mort. Ah, ça c'est moche. Alors, est-ce qu'il fait partie de ces jeux un peu rares qui... Non, ça va, il te fait pas recommencer 10 km en arrière. J'ai des bombes, les gars, j'en profite, hein, vous me saoulez. Bah oui, je suis en train de faire un Red Unlike, donc Red On 1, Red On 2, Red On 3. C'est un peu comme si on vous forçait à voir Star Wars numéro 143. Ce serait un peu dramatique. Il est con, ce truc. Il est très con. Bon, faut être encore plus con pour se jeter sous les tirs, ça je l'admets. Ceci dit, c'est moi le chef à bord de ce navire, je fais ce que je veux. Non, je vais t'esquiver, toi, tu me manges. Ça va être ma nouvelle stratégie de shoot, maintenant. C'est dès que les mecs sont trop chiants, je les esquive. Voilà. J'ai pas dit je rentre à ma maison, mais dans l'idée, c'est pas loin. Dites donc les moucherons là. Alors, se calmer un petit peu. Allez, paye ton pattern. T'as pas 100 balles. Non, mais j'ai des patterns. Des patterns, des patterns. Oui, mais des... Allez, un petit peu pour les deux, là. Une pour toi, une pour toi. Attends. Je te cale, quand même. Qu'est-ce qu'il faut encore, là, ce temps, là-bas? Bon, toi, t'es mort. Et c'est chouette. Toi, tu veux pas crever, mais... Voilà, tu vois qu'on y arrive. Oh là là, quel enthousiasme! Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu, quoi? Le problème maintenant, c'est de trouver des qualités. Alors, je vous ai parlé de la qualité de vitesse d'affichage, qui est réelle. Je ne vais pas dénigrer ça.
Maintenant, le gameplay, on croirait une version qui était faite sous le manteau, quoi. Pour être distribuée sur des marchés parallèles. Oh, vous êtes chiants, les gars. Ça mérite des gifles, ça. Alors, vous me direz, Monsieur K, n'es-tu pas de mauvaise humeur ce matin? Alors, je vais tout de suite corriger, on n'est pas le matin. Il est pas loin de 3 heures du mat. Alors, ne serais-tu pas fatigué? Non, je ne suis pas fatigué, justement, sinon je dormirais. Eh oui. Donc, c'est vraiment en toute partialité que je me permets de pourrir un peu ce jeu. Parce que vous conviendrez quand même que on est très loin d'avoir inventé l'eau froide, là. Putain, le tir croisé, fallait prévoir, madame. Eh oui. Ah, parce qu'on rigole. Hop, hop, hop. Continue. Yes, I want. On va se taper quand même un gros boss, histoire de souffrir. Mais bon, oui, ce que je vous disais, c'est... Voilà, on parcourt ça parce qu'on n'a pas pu se payer l'original, quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'impression qu'on a. C'est un peu comme quand on va s'acheter des fringues, et puis qu'au lieu de s'acheter des fringues de marque, eh ben, on se paye ce qu'on peut. Comme ça, on pourra se payer une sortie en plus. Et voilà. Bah, c'est la même saveur pour ce jeu, quoi. Bande d'enfoirés. Donne-moi ce bonus, bordel de... Oh, le tir depuis le côté, c'est pas très très fair play. Ça, je sais pas si j'autorise. On va se fâcher, on va se quitter sur une mésentente. Ça va être dramatique, je sens. Oui, il y a toujours du drame dans mes streams, c'est ça qui est rigolo. Mais que serait un stream sans drame? Allez, on se calme, les gars, là, vous me saoulez. Donne-moi le truc. Allez. Ah, mais tu tires encore par derrière! Ce putain de Vitzlar! J'y crois pas. Vous remarquez que je n'ai pas utilisé l'expression non pas par derrière. Je ne voudrais pas en abuser. Oh, pas, et non pas sur le côté non plus, de toute façon. Et en fait, je remarque qu'il y a beaucoup d'expressions dans mes streams. Crevé, bande de chacal. Oh non, mais non, mais non. Mais non. Mais même, non. Alors, j'ai encore le vaccin de l'infirmière qui m'a fait 3 piqûres pour le stream précédent, dont il faudra qu'on parle d'ailleurs un jour, puisqu'il ne sera jamais publié. Et donc, j'ai de l'avance niveau vaccin anti-Freditude. Ah, bah, ça, c'est pas mal, ça. Si j'arrivais à survivre, je pense qu'il y aurait moyen de pouvoir discuter. Ah oui, ah oui. Ah, bah. Touche plus rien là, Maurice. Voilà, vas-y. Oh putain. Ce jeu vous fait regretter la largeur d'écran. Hein. Parce que non seulement il a aucune originalité, mais par contre, remplissage, il assume pleinement, en effet. Là, il va pas voir les deux tanks qui sont hors d'écran. Bah, on va le shooter par derrière au passage, tranquille. Il se doutera pas que c'est nous. Il croira que c'est les Indiens. Il y a beaucoup d'Indiens en ce moment, c'est la période, hein, tout le temps. Ça arrive vers février chaque année. Il y a un lâcher d'Indiens, c'est un peu le bordel au début, mais les gens s'y font. Tu te barres, toi? Oh, il va me faire la panique. Tire pas par derrière. Pas par derrière cette fois, j'insiste. Eh non, mais il y a des moments, c'est pas trop gérable. Ouf. Et comme quoi, avec un peu de colère, ça passe. Hein. Mais je pense que ça va pas durer parce que voilà, il y a plein de reliefs pour m'empêcher de passer mes tirs. Et les siens, ils passent tranquille à travers. Parce que lui, quand même, voilà, c'est le boss, quoi. Donc toi, quand tu vois le boss, tu fais ah ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Ouais, mais non, mais j'ai pas mon méga tir, monsieur, ça va pas le faire. Bon, je sens qu'on va avoir un problème sur ce boss. Ça va peut-être un peu durer. Alors, j'ai plusieurs options. Je vais essayer de prendre la moins débile. Ce qui est de balancer de la bombe à tire-larigot. Parce que quand ça t'emmerde, tu bombes, et voilà. Et au moins, au bout de 3-4, t'as déjà fait la moitié du boulot. Putain, le veau! C'est beau! Oh, il fait de ses accélérations. Alors, tout le long du jeu, on est pépère. Et là, d'un coup, c'est... Ah, je m'énerve. Ok.
Eh bien, j'en suis très content de ce résultat. Je vais faire une capture d'écran, je me mettrai en fond d'écran, c'est trop joli. Papa, les moucherons. Alors, il est stressant, il n'est pas innovant, et je suis ennuyé, quoi. Ce jeu, je pense pas qu'on puisse l'aimer, c'est pas possible. C'est un peu comme s'il s'appelait Kevin, ou je sais pas. Hop, on y va. J'ai plus de bombes! J'ai plus de putain de bombes! Je me suis eu à mon propre jeu. Et oui, j'ai tout balancé sur le boss précédent. Mais bon, je sais pas, essayez-le. Ce sera peut-être plus simple. Moi, il me. Bah, d'emblée, il m'intéresse pas sur le thème, parce que je vous l'ai dit, c'est assez répété, c'est le thème de la redite, donc on s'emmerde un petit peu, beaucoup. Et puis après, le fait qu'il soit rapide et animé correctement, on rattrape pas le fait qu'il n'est pas plus joli qu'un autre, pas plus jouable, qu'il n'apporte rien. Donc le pépère, on va y jouer trois fois, et au moment où il gonfle, on le prend, on le remet dans le carton, on ne touche plus jamais de sa vie. Il est là, le suicide. Donc, par contre, ce principe, je me dis que il n'y a pas trop moyen d'avoir une bonne rejouabilité sur ce titre-là, on s'emmerde comme pas possible, quoi. Ouais, pas. Puis le gameplay, je suis désolé. Le principe des vagues, il y a un moment où il faut le gérer, quoi, pour que ce soit apprécié, plus que subi. Parce que là, je subis. Bon, faut dire, je cherche de temps en temps. Ah, le train. Eh oui, le train, ça va bomber, chérie. Oui, ça va bomber. Non, pas longtemps. Bouge pas, toi. Ramène-moi ce bonus. Ramène-moi ce bonus, hein, ou je me fâche. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Mais au milieu, tu bouges plus. Hop, hop, hop. Pas bouger. Comme les chiens. Ah, dommage, t'aurais dû bomber, mon garçon. On essaye de se faire le deuxième boss. Ce sera sympa, mais. J'arrive pas à avoir d'enthousiasme sur ce genre de truc, quoi. Alors j'espère que vous, ça pourrait vous en procurer, je sais pas. Qu'il aurait, on dirait, une certaine vivacité qui vous plairait. Voilà. Oh putain, le méga tir, tu crèves, ça c'est la dèche. Mets-moi vite un game over, parce que là, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Je vais passer sans tirer, tiens, c'est plus simple. Hop, hop, hop. Film I love, film I love. Eh oui, I love everyone. Ouais, j'aurais pu, mais presque. Enfin voilà, Mad Shark. Mouais. Mouais, Mad Shark. Je vous dis, moi je le fous direct dans le stock des trucs qu'on met au grenier. Essayez-le à l'occasion. Essayez-le. Si vous avez jamais fait un Raiden, ce qui m'étonnerait, mais bon. Il y a peut-être des gens hein, qui se sont fait cryogéniser dans les années 70 et puis qu'on réveille à peine maintenant. Donc, si vous n'avez jamais fait un Raiden ou un Raiden-like, effectivement, yes, allez-y. Mais voilà, le schmupper, un poil connaisseur, bah, a déjà fait 10 000 fois 10 000 genres de jeux similaires. Je vous remercie pour ce petit stream. On se retrouve bientôt pour le numéro 168, je vais arriver à le dire. Je vous éclairerai peut-être un jour sur ce qui est arrivé au numéro 166. Enfin, au numéro. Vous n'avez pas les. Vous n'avez pas les fins de chaque mot, mais c'est au pluriel. Donc, au numéro 166, qui sont quand même une sacrée aventure. Et qui était un jeu un petit peu du même genre, mais avec une autre subtilité qu'un jour il faudra que je vous révèle de toute manière. Je ne dirai pas son titre. Ça restera le titre mystérieux. Le titre où Monsieur K n'est pas arrivé à passer le premier boss. Voilà, je l'ai dit. Et quand je le streamerai, vous comprendrez très rapidement pourquoi. À bientôt, des gros bisous, ciao, prenez soin de vous.